Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez commencé une très belle journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite immersion Magica Volamir et Mamoudzou. Donc je vous souhaite bon live, immersion, à tout de suite. Allez c'est parti, ici on va commencer par les hauteurs de Magica Volamir. Alors ici on a ces rues là, on a quelques magasins ici. Alors, profitez bien de l'immersion. Donc ici, c'est le quartier chic. C'est vraiment le quartier chic qu'on va trouver à Magica Volamir. Le quartier populaire. Il y a des résidences. Quand je conjugue ces résidences très chic, similaires à ce qu'on peut trouver à La Réunion ou en France. Donc, ayez bien l'œil aiguisé. Je vais vous montrer les quartiers, le quartier chic de Magica Volamir. Alors ici, on va avoir cette vue, d'accord. On a pas mal de rues de commerce, de ronds-points, des zones de stockage de conteneurs. Donc ici commencent les résidences et les magasins en dessous, vous voyez bien, ici on a une résidence là, on a des résidences là-bas aussi, tout ce que vous voyez, c'est des résidences et les magasins, idem en dessous, ici aussi c'est une résidence. Alors ici on a le rond-point, un petit rond-point ici. D'accord. On va s'enfoncer un tout petit peu dans la résidence. Ici on a l'impression de ne pas être en France. Hein. Enfin on a l'impression d'être dans un quartier qui est en France. Plutôt. Tout ça c'est des petites résidences, vous voyez. Ici. Il y a des résidences partout. Ah. Donc plus on s'enfonce, plus on va
On va rentrer dans les résidences. Donc ici, qui dit résidence, il y a parking souterrain, etc., etc. Voilà. Oui, il y a des Maorais, il y a toutes sortes d'origines ici, d'accord. Alors ici, aussi, là-bas, on a une résidence qui est là-bas aussi. Un petit terrain de jeu pour les enfants. Alors, celles-ci, elles ne sont pas encore finies, ces résidences-là que vous voyez. Elles ne sont pas encore finies, celles-là, là. Ici aussi, c'est pas encore fini. C'est toujours en travaux. Hein. Depuis janvier, c'est toujours en travaux, c'est pas fini. Donc, celles-ci, elles sont finies. Elles sont un petit peu particulières. Au niveau du design, très particulier au niveau du design. Alors ici aussi la résidence que vous voyez. Donc c'est encore en travaux, c'est pas encore fini. Hein. Donc tous ces bâtiments, certains ne sont pas habités comme celle-ci là. Peut-être des bureaux en dessous, il y a des bureaux en dessous, et puis le tube et des habitations. Voilà le quartier résidentiel de Magicavo Lamir. Donc on va redescendre. Ah, tu dois. Ah, tu dois. Alors, bon, on a des très beaux résidences, mais là, le niveau, au niveau de la route, c'est pas trop ça. Vous voyez,
toujours ces fameux trous qu'on trouve. Bon, c'est pas encore fini les travaux, mais puisque c'est des nouveaux bâtiments, on doit avoir une route qui est équivalente aux travaux qui sont réalisés ici, hein, parce que c'est tout neuf, tout frais. Hein. Donc je pense qu'ils vont refaire la route, ou peut-être pas, hein, je sais pas. Question à suivre. Allez, let's go. Salut les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien à la maison. Ceux qui sont au boulot, j'espère que ça se passe bien. Inch'Allah. Ah, ceux qui ont le privilège d'habiter ici, ils sont bien. Donc tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui n'ont pas de terrain à Mayotte, des gens les gens qui ont acheté aussi, hein, des gens qui ont acheté dans les résidences, il y en a qui achètent. Donc là, on revient sur nos pas. On va arriver sur le rond-point. Le rond-point qu'il y a juste en bas, à côté de la résidence. Donc ce rond-point, il y a cette voie qui est en face de moi, là. Il y a une voie qui est en face de moi. Le côté opposé. Celle qui va rejoindre la route principale. Et puis celle-ci, qui va passer vers Mayotte Première, celle qui est à ma droite ici là, qui va vers Mayotte Première, Mayotte la Première. Donc ici on va prendre ici, donc tout en sachant que la résidence elle continue là, il y en a là. La résidence. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas la chaîne YouTube que j'ai épinglée là. Il y aura des lives très prochainement. Ici ou peut-être ailleurs aussi. C'est les mêmes lives qu'on a sur Facebook, les mêmes types de lives qu'on peut trouver aussi sur YouTube. Là, ici, on est à côté du siège à Mayotte la Première, ici qui est en face de moi, là, le bâtiment que vous voyez au bout à droite. Donc c'est ici.
la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. J'ai pas besoin de vous faire un topo. Donc je vous montre les stations, la station de lavage, ici à Mayotte, d'accord. Ça c'est la station de lavage, bon c'est un éléphant mais je ne sais pas quel type d'éléphant, si c'est le bleu, bon on regarde l'état au sol, vous voyez, ça c'est la station de lavage qu'il y a ici, bon toujours des trous hein. Alors, regardons l'état de la station. Ça, c'est une station de lavage. Bon lavage, ouais, un très bon lavage. Alors, faisons le tout. Mais le propriétaire, il peut pas faire un effort pour réparer, franchement, pour faire quelque chose de propre, là. Parce que là, franchement, j'ai l'impression... Vaut mieux aller laver à la rivière. Hein. Putain. Eh ben dis donc. Quel effort, mesdames et messieurs. Quel trou. Waouh. Ah la vache. Tu dégueulasses la voiture avant d'aller nettoyer. Ouais, ben bon courage, hein. Bon courage, on est bien dans la merde jusqu'au cou. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, chers amis, chers frères et sœurs. Alors ici, on va joindre l'intersection qui est ici pour aller à Mamoudzou. Qu'est-ce que vous en pensez de la station de lavage qu'on vient de voir, les amis? Je ne sais pas si vous avez une idée particulière. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur ce que vous voyez. N'hésitez surtout pas. Ça peut entamer des petites discussions aussi très intéressantes. Voilà. Le croisement. J'essaye de passer. Donc ici toujours les bouchons. Ça, on change pas l'équipe qui gagne. On change surtout pas l'équipe qui gagne. Alors, bouchon, il est 10h54. Bon, c'est pas fluide, c'est bouchon, hein.
faut que j'essaye de traverser. Saïd, ben mon objectif, mon objectif c'est de vous montrer, hein, c'est, j'ai pas d'objectif pour moi, parce que je suis pas député, je suis pas maire, je suis rien du tout. Donc mon objectif c'est de vous montrer le développement, ce qui se passe pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont loin dans l'Hexagone. C'est intéressant que vous voyez toutes ces images, non? Alors, Anne Saïd, alors du coup, ça te fait pas plaisir de voir comment Mayotte avance, comment Mayotte est développée, les difficultés, ce qui ne va pas? Je pense que ça te fait plaisir d'être plongé dans la réalité, parce que là, ici, on est dans une réalité virtuelle, d'accord? C'est virtuel, mais c'est réel. Tout simplement. Du coup, il est où le propriétaire ici là? Monyo sabkarengwana la pafban. Parce que je le vois pas. Donc voilà la réponse, Anne Saïd. Je pense que toi qui es en France, qui vois le live, tu es heureux de voir Mayotte en grand format. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner sur la page, sur YouTube aussi, ceux qui ne sont pas abonnés. Pour l'instant, il faut que je trouve un couloir pour aller filmer un autre village dans le sud. Mais ça va venir très 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 vite. Donc ici, entrée de Kaweni, on va... On va rentrer à Kaweni. Ça, il y a des belles voitures, hein. Mais les rues, le développement, on voit pas trop, hein. Même ici qu'il doit avoir quelque chose de propre. Regardez, là c'est un trottoir, hein. C'est un trottoir, hein. Regardez, c'est de la terre. La vue d'ici, c'est magnifique, d'accord. Si vous êtes plongé là-dedans, là, c'est magnifique à voir, c'est très beau. Bon, bien sûr, c'est le contraire, hein. C'est le contraire de ce que je dis. Désolé de vous faire espérer.
Donc on cache la merde là où il faut. D'accord. On cache la merde là où il faut.